Trafic de bois de rose. L'assainissement et la lutte contre l'exploitation illicite se poursuivent. L'assainissement et la lutte contre l'exploitation illicite de bois de rose se poursuivent, explique le ministre de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, Ralav Bebouarmis. Il souligne que la mise en place d'un tribunal chargé particulièrement des affaires de bois de rose entre dans le cadre de l'assainissement. Ce projet de loi sera encore validé par le Parlement. Le ministre ajoute que l'inventaire du stock de bois de rose a déjà commencé à Marontsitch. Le marquage et la sécurisation se feront après l'inventaire. Un code-barre quantifié est nécessaire, suivi d'un post-assainissement, avant de procéder à un appel d'offres.